Salut à toutes et à tous, Sayer Saiba. Alors nous voici pour une vidéo news pour vous informer de diverses petites choses. Bon, j'ai fait une vidéo pour pouvoir toucher le plus de personnes possible, plutôt que de poster cela sur Facebook ou Twitter. Parce que bon, justement, il y a une petite demande que je vais vous faire à la fin. Alors bon, c'est juste des petites informations, il n'y aura pas grand chose dans cette vidéo news. Mais déjà, c'est pour vous dire que j'en ai fini avec Isaac Afterbirth Plus. Vous verrez sans doute plus trop de vidéos maintenant, à part si des petites sessions en live, des choses comme ça. Mais voilà, je vous ai spammé pendant plus d'une semaine là-dessus, tous les jours, sur toutes les nouveautés qu'il y avait par rapport à ce DLC. Alors c'est sûr que ça a dû en saouler pas mal d'entre vous. Bon, après, si ça vous intéresse pas, vous n'êtes pas obligé de le regarder, hein, il suffit juste de pas cliquer sur la vidéo ou quoi que ce soit. Mais en tout cas, je vais pouvoir passer à autre chose, parce que j'ai vraiment fait que ça depuis que je suis rentré début janvier. Et pour arriver au 100%, dès que j'avais du temps libre, je me mettais là-dessus. Donc là, je vais pouvoir me mettre sur d'autres jeux et surtout pouvoir bosser sur d'autres vidéos. Même si, bon, bah, j'ai encore un petit peu de réserve, puisqu'il y a la fin de Doom et de 1001 Spikes à diffuser. Mais après, bon, faudra que je fasse d'autres jeux rétro. Enfin, j'ai des idées en tête, hein, peut-être du retour de l'arcade. On va voir. Mais voilà, en tout cas, vous allez moins être spammé. Et donc, de ce fait, je voulais vous parler d'un point, c'est que les derniers lives que j'ai fait, étaient donc vraiment focalisés sur Binding of Isaac Afterbirth Plus. Et c'était des lives à l'arrache. Alors, je sais pas si je l'ai annoncé officiellement ce que c'était, ça. Je l'avais dit sur un live, mais je suis pas sûr de l'avoir dit autre part. Ou en fait, quelquefois, ça m'arrivera de faire des sessions complètement à l'arrache, comme son nom l'indique. C'est-à-dire que je préviendrai genre 5 minutes avant que je balance un live. Et ces lives-là, ce ne sera pas comme des lives officiels, entre guillemets, où je présente un programme. Ce sera forcément que sur un jeu, ou peut-être d'autres, mais c'est surtout sur un jeu que je veux jouer actuellement. Isaac, vu que c'était mon jeu du moment, hop, j'ai fait que du live là-dessus, quoi. Il n'y aura pas de présentation, de programme, enfin de plusieurs jeux à la suite, comme c'est le cas quand je fais des lives préparés, quoi. Alors évidemment, il y aura peut-être une petite préparation avec le jeton, comme ça, si jamais... ou alors je le rajouterai après. Ben non, je peux pas le rajouter après. Puisque en fait, aussi, le deuxième point de ce truc, c'est que... en général, les rediffusions, je les laisse sur Twitch, dans les temps forts. Par exemple, pour les derniers de Isaac, je les ai pas mis sur YouTube, parce que bon, déjà, j'avais pas enregistré localement, et je voyais que ça apportait pas grand-chose de nouveau, ces vidéos, ça allait pas vous apprendre grand-chose d'autre. Bon, il y a des petits trucs qu'on voit quand même, ça c'est du haut live, on voit des petites surprises. Mais, pour m'éviter du boulot en plus, de montage, tout ça, je préfère laisser sur Twitch, même si la qualité est pourrie, ça je suis désolé, hein, je sais pas encore quand est-ce que j'aurai la fibre. J'entends toujours, enfin mon gardien ou d'autres qui disent ouais c'est imminent tout ça, mais je reçois aucun mail, rien, enfin pas d'avertissement, mais de prospectus dans la boîte aux lettres, y a rien. Et puis même quand je vais sur le site, je vois que je suis pas éligible, donc j'en sais rien. Donc j'espère que c'est quand même pour bientôt, et comme ça, ça permettra de vous laisser les rediffusions de meilleure qualité, quoi. Voilà, donc de ce fait, j'ai modifié mon site ayersaiba.fr pour pouvoir intégrer du code pour pouvoir mettre des articles avec des liens Twitch. Donc vous pourrez voir ça, là j'ai posté les deux derniers, par exemple, deux dernières rediffusions d'Isaac, et donc ce sont des liens Twitch qui vont directement donc sur les vidéos concernées. Voilà, donc c'était surtout ça que je voulais vous annoncer, que au niveau d'Isaac, on s'est fini, que je vais reprendre maintenant les vidéos normales, que donc il y aura certaines rediffusions de live qui vont rester sur Twitch, enfin surtout ceux qui sont à l'arrache, quoi, vraiment. Là actuellement, par exemple, je joue à The Last Guardian, mais vous me verrez pas en live là-dessus. Là, c'est un jeu que je vais faire vraiment de mon côté, tranquille. Et je compte pas non plus faire de vidéo après, je pense. Ça me tente pas trop. Donc, ça sera pas systématique. Dès que je fais un jeu, je ferai pas un live dessus, quoi. Et donc, le dernier point, là, j'en ai profité en mettant à jour le site. Donc, j'ai mis un sondage, parce que là, on va s'approcher du bilan des 7 ans. Ce qui est énorme.
Donc je ferai une vidéo bilan comme d'hab, hein, où ça sera à peu près le même programme, enfin les mêmes sujets je pense, j'ai pas trop d'idées. Mais également je voulais vous proposer, donc ce sera peut-être pas en même temps, hein, ce sera peut-être un peu après, voire plus tard, je sais pas. Mais d'abord la question c'est, est-ce que vous seriez intéressé que je fasse une nouvelle vidéo FAQ? Voilà. Donc j'ai mis un sondage sur ailleurscyba.fr où vous pouvez répondre oui ou non. Donc je vais laisser ça un certain temps. Et bah, s'il y a une bonne majorité de oui, je lancerai le chantier. Et donc je ferai sans doute une autre vidéo pour l'annonce de la FAQ. Comme ça vous mettrez en dessous donc les questions qui vous intéressent. Et après donc il y aura un boulot de tri, de classement de questions, tout ça. Et je me lancerai donc sur la capture pour répondre aux fameuses questions. Bon évidemment je filtrerai aussi s'il y a des questions perso, des choses comme ça. Mais on en parlera plus si jamais ça se fait, quoi. Bon. Bah, j'ai rien d'autre à rajouter, sinon. J'espère qu'en tout cas, les vidéos vous plaisent. Bon, pour ce début d'année, c'est vraiment de l'Isaac. Mais après, on va retourner un peu à du classique, j'espère. Ce serait bien que je fasse de l'Amstrad, par exemple. Je vois que ça fait long, un moment que j'en ai pas fait. Donc, je vais essayer de faire tout ça. Faut que je m'organise. Faut que je m'organise aussi, hein. J'ai pas mal de travaux, là, en ce moment. Je suis pas forcément, on va dire, dispo pour faire tout ça. Mais je vais m'organiser quoi pour essayer de vous préparer de bonnes choses. Voilà, bah écoutez, je vous souhaite donc une bonne soirée ou une bonne journée, ça dépend quand vous regardez ça. Et on se dit à la prochaine. Salut !